Mesdames et messieurs, pour l'équipe Cofidis. La formation Cofidis avec Anthony Turgis, avec Julien Simon, avec Anthony Perez, Dani Navarro, Jesus Herrada Lopez, Nicolas Hédé, Dimitri Kleiss. Et mesdames et messieurs, le sprinter qui sera sprinter majeur cet été sur les routes du Tour de France, Christophe Laporte. Christophe, bonsoir, ravi de te retrouver, bien évidemment. Alors, première fois que tu seras le sprinter principal ici pour la Cofidis sur les routes du Tour de France. Beaucoup de pression maintenant peut-être sur les épaules, une envie de bien faire. Tu as signé un contrat de quelques années supplémentaires avec la COF. Tout se passe bien et puis une opportunité avec 9 étapes, peut-être pour t'illustrer. Oui, c'est toujours une pression supplémentaire, mais c'est une motivation en plus. Donc voilà, c'est une région qui me réussit bien ici. Donc voilà, je vais faire mon maximum. On a une belle équipe pour briller sur les sprints et aussi sur les étapes de montagne, sur tous les terrains. Donc on est parti pour un bon tour, je l'espère. Donc tu fais référence à la double victoire sur le Tour de Vendée, qui justement, tu connais bien cette place, mais tu l'avais peut-être pas vue tout à fait comme ça, non? Ça change un peu? Oui, ça change un peu. On la reconnaît un peu moins. Il y a un peu plus de monde aujourd'hui. Un peu plus de monde, un peu plus de public pour soutenir bien évidemment l'effort de la formation Cofidis. On sent qu'il y a également un souffle nouveau au sein de l'équipe. On a vu Nicolas sur les routes du Dauphiné très très agressif. Dani Navarro repris il y a quelques jours également à Saint-Gervais-Mont-Blanc à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il y a une envie nouvelle, une nouvelle vague en quelque sorte. Oui, il y a une bonne dynamique, une belle équipe. Donc oui, il y a une nouvelle vague on peut dire. Et quand tu regardes ce parcours pour l'édition 2018, il y a clairement les 9 premières étapes. Il y a 2 Tours de France en fait. Il y a les 9 premiers jours qui se terminent avec cette étape des pavés et ensuite on bascule dans la deuxième moitié du tour. Oui, c'est ça. Il y a une première semaine pour les sprinteurs, rouleurs et après ce sera une autre histoire. Ok, merci beaucoup Christophe Laporte. La formation Cofidis Solution Crédit avec ces coureurs qui vont nous donner effectivement beaucoup de bonheur cet été sur les routes du Tour de France. On a retrouvé, on aime bien voir ce souffle nouveau justement, la formation Cofidis et on parle de ces formations qui vont prendre le départ de la 105e édition du Tour de France. Une équipe